Salut à tous, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, on va se retrouver pour un nouveau glitch, donc qui vous permettre d'emporter le véhicule de Trevor on the Nine et de l'avoir dans votre garage. Donc la différence avec le camion, enfin avec le truck, ce que moi j'appelle le truck de Trevor de the Nine, c'est que si vous l'achetez, vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'ours en peluche devant le capot. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient bien l'avoir. Donc pour ça, c'est très simple. Alors déjà, on en a une, il faudra vous assurer de ne pas avoir de véhicule personnel sorti. Et le point d'apparition importe peu, donc vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, il faudra vous rendre dans le solo, donc sur Trevor. Il faudra tomber avec lui et avec son camion. Donc une fois que vous êtes avec Trevor et avec son camion, vous allez vous rendre au LS Custom. Donc s'il est déjà customisé, c'est pas la peine, mais moi je vais le customiser parce qu'il n'était pas customisé. Et pour vous montrer qu'il y a bien l'ours en peluche, donc le teddy bear. Vous voyez bien qu'il est bien là. Donc vous customisez votre camion de Trevor. Une fois qu'il est customisé, vous sortiez de Los Santos Custom. Donc là, vous allez devoir vous rendre sur votre portable. Ce portable de Trevor. Ensuite, il faudra aller dans Contact. Donc vous irez vous chercher Franklin. Donc une fois que vous avez trouvé Franklin, vous l'appelez. Donc il y aura écrit invité, vous l'invitez. Donc ça va sonner. Trevor va lui demander de boire un verre ou d'aller chercher. Donc là, Franklin devrait normalement répondre oui. S'il répond pas oui, bah vous refaites la manipulation. Mais normalement, il répond toujours oui. Donc là, vous aurez une petite apparition du logo de Franklin sur la map. Donc va falloir vous y rendre. Et c'est là qu'il va bien falloir faire attention. C'est-à-dire que Franklin va pas falloir qu'il vous voit. Donc aller à un coin de rue, faut vraiment pas qu'il vous voit. Autrement, la manipulation est foirée. Il faudra tout recommencer. Donc vous voyez, hop, et une fois qu'il ne vous a pas vu, qu'il y a toujours l'icône sur la carte, vous allez switcher sur Franklin. Donc là, Franklin, bah, il va normalement voir Trevor arriver. Donc là, c'est très simple, vous allez piquer le camion de Trevor, et vous allez foncer au LS Custom. Donc j'ai bien accéléré. J'ai pas coupé parce que je veux pas non plus tout couper pour bien que vous compreniez. Donc une fois que vous arrivez au Los Santos Custom avec Franklin et le camion de Trevor, vous allez juste vous garer devant et vous allez ouvrir votre téléphone pardon et faire une quick save sur une nouvelle sauvegarde. Vous créez une nouvelle sauvegarde sur un nouvel emplacement. Voilà. Ensuite vous allez faire start et vous allez charger cette partie que vous venez d'enregistrer. De là, il y aura un temps de chargement plutôt long. Et donc, vous allez apparaître avec Franklin et Camon Trevor devant le Santos Custom. Donc là, la manip est vraiment très simple. Pour la mettre dans le line, il va falloir tout simplement rentrer dans le Santos Custom. Une fois que vous êtes rentré, vous allez faire start. Et vous allez créer une session sur invitation. Donc, je vous le répète, le point d'apparition n'a pas d'importance. Que vous soyez en dernière position, l'apparition garage, l'apparition appartement, ça marchera quand même. Donc une fois que vous êtes apparu en online, donc dans votre session sur invitation, vous allez faire start et vous allez créer et vous allez aller dans le PlayStation Store. Donc une fois que vous êtes dans le PlayStation Store, vous allez tout simplement le quitter. Normalement, si tout s'est bien passé, si vous avez tout bien fait comme je l'ai fait, vous devrez réapparaître avec le truck de Trevor dans le Los Santos Custom où vous étiez. Dans le online bien sûr, avec votre personnage. Donc là, vous allez réapparaître et la cinématique pour le Los Santos Custom va se mettre automatiquement. Et vous voyez bien qu'il y a la plaque d'immatriculation BT32 de Trevor ainsi que son ours. Et donc là, vous allez pouvoir l'assurer et mettre une balise. Moi je vais remplacer par une LG et après je vais bien vous montrer la différence dans mon garage. Donc on se retrouve dans mon garage, là vous avez bien vu que c'est ça, c'est le truck que j'ai acheté. Et celui-là c'est celui de Trevor.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit glitch vous a plu, je vous mettrai un tuto écrit dans la description qui pourra vous aider. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et salut.